Je m'appelle Lionel, je suis technicien d'équipement bateau. Je suis électricien, mais je fais autant de la plomberie, je fais de la motorisation, je peux faire du composite. Donc au démarrage, on me donne des plans, des listings de lignes à tirer. Ensuite, je vais les raccorder aux équipements. On s'occupe aussi de la motorisation, on câble les moteurs électriques, on fait les programmations et on fait les tests. J'ai décidé de me reconvertir. J'ai suivi une formation AFPA durant 9 mois, agent de maintenance nautique. Durant cette formation, j'ai dû faire un stage. Ça a très bien fonctionné. À la sortie de ma formation, on m'a proposé un contrat. Au niveau de l'évolution de carrière, on peut être chef d'atelier ou responsable process. Pour être technicien bateau, il faut être méticuleux, polyvalent, rigoureux, soigneux. Il faut être autonome, passionné. C'est un défi tous les jours et c'est vraiment agréable. Actuellement, le nautisme est très très porteur. C'est un métier technicien d'équipement qui est recherché énormément. On a un nombre croissant de bateaux qui sont vendus. C'est vraiment une opportunité à l'heure actuelle dans la voile. C'est très porteur. Ce qui me plaît, c'est de donner vie à un projet, de le concrétiser du début jusqu'à la fin. On part d'un plan, d'un bateau, c'est un assemblage. Et au fur et à mesure, ce bateau-là, il avance, et un jour, il sort. Et on le voit naviguer. On a la chance en plus de faire des essais en mer avec, et c'est une grande émotion. Je m'appelle Lionel et mon métier c'est technicien d'équipement bateau.